Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Une petite vidéo d'une sortie à la journée, le temps de boire un café, manger un petit morceau, voilà, juste pour profiter du beau temps. Et là je suis dans l'Aude, département 011, c'est le lac de la Ganguise. Assez sympa, on se croit à la mer vu les vagues qu'il y a, et forcément c'est quand même agréable, hein. Il y a des planchistes et un petit peu le décor, les vagues, on se croit à la mer, avec le parc de loisirs qui est tout au fond. Là on voit normalement, l'eau est verte, hein. Comme on dit, on se croit à la mer, c'est agréable, beaucoup de vent, dommage, mais bon, c'est quand même agréable pour les ceux qui font de la planche à voile. Reparti. T'as vu ça? C'est génial! Tu voulais me prendre en photo? Non, je suis en train de filmer là. Ah, tu filmes? Ah ouais, pas de problème, non, mais c'est bien. Non, c'est pratique ça. Voilà. Donc la petite sortie, comme je disais, en compagnie de Fred, Nature Paisible, et de Cassanos Outdoor. Qui est. On voit ses jambes, c'est déjà pas mal, un petit coup. Salut. Voilà, c'est l'heure du petit repas. Donc quelque part, on mange un petit morceau. Juste pour en profiter, être en forme. Alors monsieur riz. Voilà la petite tambouille. Le riz est prêt. Le riz est prêt. On va pouvoir manger. Donc voilà, à tout de suite. Et voilà, la petite pause. Petite sieste après le repas. Alors avec notre ami Fred, Nature Paisible. Et aussi. Et moi qui fais rien du tout.
Allez, c'est moi qui vais chanter la berceuse. Ça filme là. Et voilà, DJ Nomad. La petite post-clope, c'est pas bon pour la nature, mais bon, l'habitude. Prêt à dormir. Tu veux que je vienne te chanter une berceuse? Ah, je veux bien, hein. Avec un gros morceau de bois, tu vas dormir dessus. C'est la chenille qui est en train de faire son cocon là. Faut pas louper. Merci. Parce que c'est la gueule. Hein. Alors un petit zoom sur la chenille qui est en train de faire son cocon. Notre ami Cassanos Outdoor. Ah, il est pudique, il veut pas être filmé. Il est trop pudique, il veut pas être filmé. Voilà, juste la main, c'est déjà pas mal. En fait, il a un gros furoncle sur le nez, c'est pour ça. Voilà, c'est dû au furoncle sur le nez, certainement, oui. Bon, bah du coup, c'est pas grave, hein. On va filmer autre chose. Après manger, forcément, c'est la corvette V16 de monsieur Fred, nature paisible. Pour aller chercher l'eau au puits. Alors voilà le puits, quand même impressionnant. Et on part à la pêche tranquillement pour aller chercher un peu d'eau. Et voilà. Voilà comment on fait la V16 dans l'Aude. Fred, pour faire sa vaisselle, c'est excellent. Et c'est là qu'il va se prendre une vague, qu'il va se demander qui c'est qui l'a mouillé à ce point. Et voilà comment on puise l'eau par ici. Et voilà, on voit la pêche. On va à la pêche tranquillement, le temps qu'il y en a qui s'amusent avec leur surf. Excellent, et voilà, vaisselle terminée. Et on retourne pour aller l'essuyer tranquillement et le remettre dans l'armoire. Et c'est parti. Alors juste les jambes à monsieur Nicolas de Cassanos Outdoor. De dos avec la tapette. Bon ben voilà, tout est rangé. Et puis ben, une petite dernière prise. Et là là, j'ai failli me planter. Une dernière prise avant de
planchiste qui se régale. Vu le vent de là, voilà. Et les vagues qui s'approchent, c'est quand même assez impressionnant. On se croit à la mer.